Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Aujourd'hui commence l'aventure d'un jeu mythique, Enchanters. Donc, Enchanter, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu sur lequel vous allez devoir défendre un village à travers un personnage que vous allez incarner, qui est un Enchanter. Un Enchanter, c'est un personnage que vous allez construire à travers votre aventure. Donc, il a des capacités particulières qui lui permettent de s'adapter donc dans son environnement. Et donc, via des objets qu'il va rencontrer, il va subgrader, devenir de plus en plus fort. Donc, on va avoir une alliance entre du physique, des objets physiques, et de la magie, avec des enchantements. Sur son tableau, sur notre plateau personnel, on retrouve donc un point qui va donc symboliser la partie physique de l'objet, comme je vous disais, et une partie enchantement, la partie magie. Ces deux-là vont donner donc des capacités offensives et défensives qui vont être représentées sur ce petit tableau-là. Et à l'intérieur, via ces curseurs, on va pouvoir augmenter ou descendre nos attaques et notre défense. Ici, ce seront les monstres que nous aurons capturés, tués durant notre quête. Pour se mettre en jambes, je vous ai proposé de commencer avec l'automa. Pratique pour apprendre les bases du jeu Enchanters et se faire une bonne idée de la mécanique. Pour ce faire, faut savoir que l'automa, c'est comme si on faisait une partie co-op ou une partie à deux joueurs. Donc, on va sélectionner quatre factions, un village qu'on va défendre ardemment, et pour pimenter un petit peu tout ça, on va y ajouter un maître suprême. Un maître suprême, c'est un big boss, si vous voulez. Finalement, l'objectif sera d'avoir 50 points et de battre le maître suprême. C'est l'objectif, c'est les objectifs que je me suis fixé. Donc, on se lance déjà pour la mise en place et donc on va choisir 4 factions. On va prendre. Pas trop s'emmerder. On va prendre les 4 premières. 1, 2, 3 et 4. Voilà. On va mettre ça là. Ensuite, on va aller chercher un maître suprême. On va pas s'emmerder, on va faire pareil. Le premier. Wukong, enfin Wanama. Et un village. Là, pour le coup, on va changer un petit peu. Plutôt que de prendre toujours le premier, on va mélanger. Et prendre le premier aussi. Voilà. La cour du bonsaï. Bon, faisons un petit récapitulatif de ce que nous avons sous les yeux. Déjà, ça on le met de côté 2 secondes pour les factions. Le Big Boss ou l'Overlord ou le Maître Suprême, vous allez avoir 3 grandes parties sur la carte. La partie supérieure, ce seront les cartes, donc objets, enchantements, monstres et dragons qui vont finir dans le cimetière si l'automa ou moi-même ne venons pas à les récupérer. Ça va déclencher des capacités positives ou négatives. Là, par exemple, si un dragon venait à finir dans le cimetière, je subirais 2 blessures, l'automa aussi, et on perdrait des sous. Des sous, en l'occurrence, la monnaie du jeu, c'est des cristaux. Comme on peut le voir là, un cristal vert vaut 1, un bleu 3 et un orange 10. Donc vous douterez bien que les 10, on risque pas d'en avoir beaucoup. J'ai dit qu'on devait tuer l'Overlord. Pour ce faire, on va devoir le défier. Sur l'Overlord, on met 2 jetons, un par joueur. Je décide que l'automa est un joueur à part entière. Pour pouvoir aller défier Wanama, nous devrons payer 3 cristaux pour l'affronter. Un combat, c'est très simple. Il faut que notre valeur d'attaque soit au moins égale à sa valeur de points de vie.
Et comme un monstre réplique toujours, il m'infligera, quoi qu'il arrive, 3 dégâts, sauf si j'arrive à avoir 3 d'armure. En l'occurrence, si j'arrive à avoir 2 d'armure, il m'infligera une blessure, représentée via ces jetons-là. Les blessures en fin de partie sont des points négatifs, donc on ne peut pas mourir à Enchanters. Une fois qu'on l'a battu, on récupère le jeton qui nous rapportera 3 points de victoire en fin de partie. Dans Enchanters, il existe 2 types d'actions. Les actions majeures et les actions mineures. Les actions majeures, il y en a 2. Soit on prend une carte, on achète une carte sur la route périlleuse, je vais y venir, soit on se repose. Quand on se repose, c'est le symbole avec une croix que vous pouvez distinguer ici et là. Un repos donne accès, quoi qu'il arrive, à soit des ressources, soit se soigner. L'autre type d'action, ce sont les actions mineures. Celles-là, on peut les faire une fois par tour, tout le temps, et ça ne met pas fin à notre tour. Il en existe 2 types. Les actions donc mineures de type que l'on verra sur une carte, et les actions mineures de type multi-action que l'on peut stack ou qu'on peut jouer plusieurs fois dans le tour, la même. Voilà, donc par exemple ici, multi-action pour la cour du bonsaï, ce sera, on paye 2 cristaux, on a plus 1 d'attaque. Je paye 6, je prends, effectivement, plus 3 d'attaque. C'est bien pour ceux qui suivent. Ceux qui ne suivent pas, ben, ils vont apprendre rapidement. Je vais donc dévoiler les 4 factions que nous allons jouer durant cette partie. Bon, ok. C'est quoi ? Ok. Ok. Et ok. Bon, je vais aller chercher les decks en question et on voit à quoi ça correspond, à savoir que je découvre le jeu, je ne sais pas du tout sur quoi je m'oriente, je sais pas. Donc j'ai récupéré tous les decks. Donc il s'agit des démons, des gnolls, des troglodytes et des anges. Oui, c'est ça, c'est les anges. Pour la mise en place, pour une partie contre l'automa ou à 2 joueurs, on prend uniquement les cartes avec un 2 dessus les cartes. On les mélange toutes. Donc de ce que j'ai compris, les anges, c'est plutôt une faction qui va être orientée sur le soin, la récupération de vie. Les troglodytes vont permettre d'avoir, on va dire, une certaine... un certain roulement dans les cartes, si on veut. Les gnolls, c'est beaucoup d'attaques, avec un jeu sur les monstres, transfert de monstres entre les joueurs pour gagner ou perdre des points, en fait, des points de victoire. Et les démons, eux aussi jouent sur les monstres, mais eux, d'une manière un petit peu étrange, ils peuvent faire perdre des points. Alors j'ai vérifié, dans la version automa, on ne compte pas le malus que les démons avec les points négatifs infligent. Donc, ça ne sera que du positif. Comment marche l'automa ? On va faire un tout petit point là-dessus, avant de lancer la partie. L'automa, on va sortir une carte quand ce sera son tour. On va venir y prendre la carte sur la route périlleuse qui correspond au schéma. On va la mettre donc sur le côté. Et la pile qui va être ici va s'appeler le marché. On peut venir chercher les cartes voilà, qui se situent dans le marché en faisant une action de repos et en faisant l'action qui est indiquée par la carte automa. Si c'est des objets ou des enchantements, on récupère tout simplement. Par contre, si c'est des monstres, d'après, on va dire, plusieurs lectures et mises au point sur beaucoup de forums, notamment la page francophone de Enchanters sur Facebook, ça nous semblait un petit peu trop facile de récupérer des monstres et surtout des dragons qui viendraient à échouer ici. Donc, j'affronterai les monstres plutôt que simplement les récupérer, bien que ce ne soit pas précisé du tout dedans les règles.
Ça, c'est un point important. Quand il y aura besoin d'y revenir, je le repréciserai, sinon, c'est dit maintenant. Voilà. Pour la mise en place, donc, on a un village qu'on va devoir défendre. Il va y avoir des monstres qui vont arriver dans le village et il va falloir les empêcher de les envahir et de détruire le village. Pour ce faire, nous avons une route qui s'appelle route périlleuse sur laquelle va y avoir des cartes. Le coût des cartes est le suivant, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Si on veut venir prendre un enchantement, un objet, il faudra en payer le coût indiqué sur la route périlleuse. Et si on veut en affronter un monstre, pareil, il faudra en payer le coût. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, qu'est-ce qu'on voit là-haut? Alors, j'avais sorti au cas où, si on venait à jouer des ninjas, les shurikens. Si on venait à jouer les sirènes, j'avais sorti quelques perles. Mais comme on les joue pas, ça et ça, on s'en servira pas. On aura juste la monnaie traditionnelle du jeu de mise en avant. Concernant le village, j'ai une action mineure qui est donc la multi-action qui est ici. J'ai une capacité particulière où lorsque l'on fait une action directe, on se soigne de une blessure, ça c'est pas mal. Et notre repos nous fait prendre 4 cristaux. Plutôt chouette. Donc pour la mise en place, il va nous falloir 6 objets ou enchantements. Si c'est des dragons, on commence pas, ou des monstres, on commence pas avec eux. Donc on va voir comment on fait. Donc on prend le dessous de la pile, aventure. Donc c'est un monstre. On ne jouera pas avec au début. Hop, un enchantement. Donc l'enchantement a un œil. L'objet, une enclume. Et je vais débloquer petit à petit les règles au fur et à mesure. Pour le moment, je suis sur la mise en place. Encore un enchantement. Un dragon. Pardon. Un enchantement. Un enchantement. Un monstre. Un monstre. Un monstre. Encore un monstre. Un objet. Symbolisé par une enclume, un monstre et un enchantement. Les monstres qui sont ici, on les mélange, on sait plus ou moins dans quel ordre ils vont arriver, et on les remet dessous. Donc notre pioche aventure est prête, notre route périlleuse est lancée, et on va pouvoir commencer la partie avec une valeur de 5 cristaux au début. Donc, on commence par faire tout simplement une action mineure, si on peut. Là, en l'occurrence, non, on n'en a pas. Du moins, on n'en a pas besoin. On n'a besoin que de faire une action majeure qui sera soit du repos, soit prendre un objet ou enchantement sur la route périlleuse. Je vais commencer par payer 1 et aller chercher cet enchantement-là, qui me donne accès à 1, 2 d'attaque, 2 d'armure. Et c'est là où je vais pouvoir vous expliquer la mécanique de la partie construction du personnage. Sur le point, sur l'enchantement, vous pouvez voir qu'il y a une ligne. Cette ligne, c'est la délimitation sur laquelle on va venir superposer les cartes. Tout ce qui est apparent est utilisable. C'est-à-dire que lorsque je vais par exemple reprendre une carte, par exemple celle-ci, si elle vient à venir par-dessus, je vais perdre mon 1 d'attaque. En l'occurrence, si j'arrive à ce stade-là, j'aurai 3 de défense et seulement 1 d'attaque. Voilà. C'était la toute petite partie explication, je le repréciserai au tour d'après. Une fois qu'on a pris une carte et payé son coût, on déplace la route périlleuse et on débloque la prochaine carte. La partie se termine lorsque toutes les cartes du deck aventure ont été utilisées.
soit Film d'un cimetière, soit l'automa l'a pris, soit moi. En parlant de l'automa, c'est à lui de jouer. Il va prendre cette carte-là. Et ça, ça fait chier parce que cette carte est extrêmement forte. Avec... Bon, tant pis, nous ne la reverrons plus de sitôt. C'est à nous. Bien. Je commence par prendre une blessure. Il faut que je la recouvre absolument rapidement. Je vais prendre... Je vais payer 0. Je vais prendre la carte de cécité. Ici. 3 d'armure, du coup. D'attaque. Et du coup, au prochain tour, vu que j'ai recouvert cette capacité ici, je ne subirai plus de perte de points de vie au début de mon tour. Ceci étant fait, je déplace. Le joueur ciblé déterre la carte du bas de sa pile. Voilà. Comme c'est la seule carte, cette action ne peut pas avoir lieu. Du coup, je ne peux pas bénéficier du soin. Du soin ici. À l'automa. 1, 2, 3, il prend le prêtre. Et vous voyez. Donc, si on souhaite aller chercher le monstre prêtre, il va falloir que je fasse un repos, que je prenne une blessure, que je me défausse une carte. Et je pourrais prendre cette carte et l'affronter. Je vous ai parlé tantôt, il y a de points de victoire. Les points de victoire sont ici, dans ces petits cercles-là. Il faut qu'on en cumule 50 pour remporter un premier objectif contre l'automa. Voilà, donc à nous. Cela va arriver... Elle est très intéressante, celle-là elle est très très bonne. J'aimerais bien la voir aussi. Celle-là surtout pas. Donc ça c'est les premiers, ça c'est les deux monstres qui vont arriver, qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose avec ou que l'automa nous débarrasse. Je suis un peu... Je vais... On va prendre de l'armure. Donc ça va nous coûter 1. Voilà, donc là, on a 1, 2, 3, 4. 4 d'armure. Ça en fait beaucoup, là, de l'armure, mais bon. 1, 2, 3. Ah bah voilà. Un morceau d'armure qui saute encore. Je soigne 1, prenez 2. Comment il pourrait soigner? C'est mal barré. Contre l'automa, les anges, ça n'a pas l'air d'être super fun. Ça va être plutôt casse-pied. Parce qu'ils vont jamais, il va jamais se soigner, lui. Donc je pourrais jamais bénéficier de leur capacité. Cependant, bon, on n'a pas assez d'attaque ici pour aller chercher. Il nous faut de l'attaque. Si je prends lui, on va prendre lui. On va prendre lui, allez. Et non, parce que ça me dit d'enterrer cette carte. Et si je l'enterre, je vais avoir que le moins 1, moins 1. Parce que les épées cassées ou les boucliers cassés, ce sont des malus. C'est moins 1 et moins 1. Lorsque je la prends, on me dit de suite d'enterrer la carte. Il faudrait que je trouve une carte qui me permette de la déterrer, donc la faire remonter en haut du paquet. Pour ce faire, il faut avoir ce monstre-là, par exemple, ou d'autres. Pour le moment, ici, soit ça coûte trop cher, soit je ne peux pas m'y intéresser. Donc, je vais décider de faire une action de repos.
Donc ici, l'action de repos, c'est prendre 4. Lorsqu'on joue contre Wanama, après avoir effectué un repos, soignez 1 et prenez 1. Voilà, donc on a fait un repos, on a pris 4. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque on a fait un repos et qu'on n'a pris aucune carte? C'est la première carte que j'ai dit qui coûte 0, qui finit dans le cimetière, elle est défaussée. Lorsqu'une carte avec donc un enchantement est défaussée, Wanama nous soigne de 1. Tout simplement. Cette partie-là, explication au niveau de l'Overlord, n'est pas très claire dans le livret de règles. Donc, comprenez qu'ici, voilà, c'est à chaque fois qu'il va se passer ce type d'action-là, qu'une carte va être défaussée dans le cimetière, vous avez ici les 4 types de cartes qui existent, objets, enchantements, monstres et dragons, avec l'effet induit par l'Overlord. En l'occurrence, ici, ça me soignait de 1, si je venais à ne pas prendre l'objet. Poursuivons. C'est à l'automa. Il prend la Manticore. Les illustrations sont fantastiques. Je dis ça quand on voit la Manticore, enfin, super joli, quoi. Alors, le chien infernal, il est... est-ce qu'il est accessible? Il faudrait que je monte à 3. 1, 2, 3, ça me fait 6. Pour aller le chercher... 2, 4, non, 4. Et 2, ici. Le chien infernal est très intéressant puisqu'il a un de valeur d'attaque en plus quand on va le mettre là. Et les points négatifs pour les démons, on a dit qu'ils ne comptaient pas contre l'automa. Donc, ce n'est que du positif si je viens à prendre le chien infernal. J'ai peur que l'automa vienne à me le prendre. Puisqu'il ne suit pas une stratégie particulière, ça peut tomber sur n'importe quoi. Donc je ne vais pas prendre de risque, il est déjà arrivé suffisamment proche pour que je puisse aller le chercher en l'achetant. Donc déjà je vais commencer par monter ma force d'attaque à 3 pour égaler son nombre de points de vie. Pour ce faire je vais payer donc 2 fois 2, donc 4. Donc là j'ai une valeur de 3 pour ce tour. J'ai bien mes 4 de défense. 2, c'est le coup pour aller chercher le chien infernal. J'ai 3, donc je vais me rendre la monnaie. Et je vais pouvoir aller le chercher et me confronter à lui. Mes 3 d'attaque, je les ai. Mes 4 de défense, je les ai. Donc, il m'inflige rien du tout. Et je vais donc mettre fin à mon tour. On reprend donc les cartes. 1, 2, 3, 4 de défense, ça bouge pas. On a 1 d'attaque, plus 1 ici, 2. Autour de l'automa. Il va prendre l'armure de plate. Très intéressante, hein, super forte. Par contre, elle blesse. Alors cette carte est totalement inutile. Sauf peut-être en fin de partie, mais je ne vais pas la prendre, on est au début. Parce qu'elle ne nous donne que des malus. Donc non, elle n'est pas intéressante du tout. Là, pour le coup, cette carte ne m'intéresse pas. Cet enchantement ne m'intéresse pas, puisqu'il va me faire perdre 2 d'armure si je la prends et que je fais ça. Il me fait perdre 1. Je vais donc faire une action de repos, donc 4, grâce à ça. Et vous pouvez donner cette carte à notre joueur. Au fait, ça c'était l'action qui était possible quand j'ai pris le chien. Je ne voulais pas le faire, je veux garder mon 1 d'attaque. Hein, d'accord ? Donc je ne bénéficie pas de ça, puisque je ne l'ai pas fait. Cependant, chez mon repos, je gagne 4. Elle est défaussée. C'est un enchantement. Je me soigne de 1, je n'ai pas de blessure. Et je décale. L'automa, il prend la cuirasse, il m'enlève toutes les armures. Le premier dragon, oui, 6-6.
Il coûte cher à affronter, mine de rien. J'ai très envie d'aller chercher le voyeur. Vous allez voir pourquoi sur le tour d'après. Là, je vais donc booster ma force d'attaque donc en dépensant 4 pour arriver à 4. Je vais prendre et attaquer le dragon, le voyeur. C'est un monstre 4-4, 4-4, donc il m'inflige 0. Directement à mon tour, déterrer la carte du bas de votre pile. Enchantement. Ici. Je récupère 1, 2, 3, 4 d'armure et 1, 2 d'attaque. Et 3 ici. Donc j'ai, par rapport à tout à l'heure, gagné 1 d'attaque. Par contre, je vais à nouveau reperdre un point de vie au début de mon tour. À l'automa. Oh, il prend le dragon. Ça me... Ça m'ennuie. Ça m'ennuie terriblement. Parce que les dragons, ils ont quand même 10 points de victoire à la fin. C'est énorme. J'ai plus d'argent pour acquérir ces capacités-là. C'est un dragon qui est perdu. Il m'en restera 3, puisqu'il y a un dragon par faction. Tant pis. Donc, je vais reprendre mon 2 gloire. Je voulais prendre. Alors, mon objectif était de prendre le 2 gloire qui est ici, qui est un enchantement. Alors, au début de mon tour, déjà, je prenais une blessure. Et ça me permet, en le prenant, d'éviter de reprendre une blessure au début de mon tour. Conserver le 1 d'attaque que j'avais par rapport à il y a 2 tours. Et sans changer les stats que j'ai actuellement. Je conserve toujours mes 3 d'attaque. Voilà. Et en plus, en fin de partie, tous les 3 monstres, j'aurai un point de victoire supplémentaire. Donc, c'est plutôt bien. Allez. 1, 2, 3. Le gnoll. À moi. Si je prends l'enchantement vertu ici, je perds mon 1 d'armure, ça m'intéresse pas. Celui-là, il est inintéressant. Celui-là, il fait perdre un point de vie, me donne 4 d'attaque. Maximum. De toute manière, je ne peux pas encore me le payer. Donc, je vais passer, enfin, faire une action de repos. Je vais donc me reprendre 4. On va se séparer de l'enchantement. Quand c'est un enchantement, on se soigne de 1, qui est défaussé, grâce à Wanama. Allô, Thomas. Il prend l'espadon. Bon, ben, tant pis. Il sera pas pour moi. Alors, je continue. Il nous faudrait un petit peu d'attaque. On va aller le chercher ici avec l'œil. Je vais dépenser 1. Donc là, il y a une action de suite qui est enterrer cette carte avec ce symbole. Donc on l'enterre. Et ça nous donne 2 d'attaque supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5. Pour 4 de défense. Ça, c'est bien. Par contre, il faut absolument pas qu'on la déterre. Sinon, on prendra moins 2. Dommage. Mais on n'y est pas. Allez, le gnoll qui part. Lui, on peut aller le chercher. Pour 1. Oui. On va prendre le diablotin. Vous pouvez donner cette carte à notre joueur. Non.
Il prend le fléau d'armes. Bon, bah tant pis. Est-ce que je compte aller chercher le fléau d'armes après? Alors, je vais chercher le chien infernal qui me coûte 1. Donc, je vais me faire la monnaie. Je me rajoute 1 d'attaque. Et là, 6-4, on va pouvoir aller chercher Wanama sans problème. Il y a un troglodyte qui part. Ouais, quand je vous disais, ouais, je veux pas qu'il y ait de. Faut pas que je déterre la carte. Si je vais chercher le troglodyte, je vais chercher donc ma carte ici objet qui va remonter et ça va m'annuler mes 2 d'attaque. Mon plus 2 d'attaque. On va le faire, mais le plus tard possible, parce qu'il rapporte quand même 3 points de victoire. Donc on va continuer. On va attaquer Wanama, donc on va le défier. Ça coûte 3, je peux pas aller le chercher. Donc pas de suite, malheureusement. Du coup, ce que l'on va faire, on va se reposer. On va gagner 4. On devrait se soigner, puisque on défausse un enchantement, mais nous n'avons plus de blessures. Et c'est à nouveau au tour de l'automa. Donc, il a déjà fait une première rotation de ses cartes. On les mélange. On est reparti. 1, 2, 3. Il prend le démon. Ouh, le collier est très très bon là. Dans quel ordre on va le faire? Ok. On va aller. On n'est pas pressé d'affronter Wanama. Je vais aller chercher Rock ici. Il a 3 points de vie, 6 d'attaque. Je ne peux pas augmenter ma défense. Il ne souhaite pas le faire pour le moment. Donc, je vais payer 1. Je prends le Rock. 2 blessures. Le joueur ciblé doit vous donner un monstre. Je prends le monstre du dessus. Comme j'ai fait une action comme ça, avec la flèche vers le bas, je peux me soigner de 1. C'est fait. Je décale. Le collier se rapproche. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oh merde, il prend le collier. Le collier était bien parce qu'on pouvait se défausser d'un monstre et gagner 7 gemmes. C'était 2 défis gratuits. Pour Wanama, quoi, pour un monstre, tant pis. On va faire donc autrement. Je vais prendre le 2 rage ici qui est un enchantement. Ouais, non, parce que notre armure nous convient. Je vais du coup, oula, pas très bien. On va chercher à se soigner d'une certaine manière. Je vais me et que le 2 rage ne m'intéresse pas parce que je vais perdre 1 d'armure et que j'ai suffisamment d'attaque pour la plupart des monstres, quitte à payer un petit peu. Et pour Wanama, c'est largement suffisant. 6. Je vais faire une action de repos pour récupérer 4. Ok. L'enchantement ici est enlevé. Je me soigne de 1 grâce à Wanama. Et je décale. L'automa récupère la dague. Vous voyez, l'automa, ça va très vite comme il joue. À moi. Là, je vais aller défier Wanama. Il coûte 3. J'ai des capacités supérieures à lui, du coup. Je le gagne sans difficulté. On est sur un niveau simple. On ne rajoute pas
de jetons supplémentaires pour Wanama sur ce type d'overlord là. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on défausse une carte là? Une carte à lui, dans ces cas-là? Non, on défausse une carte de la route du deck, de la pioche aventure. Celle dessus. Et là, bon, bah, on perd des bolasses. Tant pis. À l'automat. On prend l'enchantement de bannissement. Ok. Je vais remplir un premier objectif. Je vais aller réaffronter pour 3 Wanama. C'est exactement la même chose que le tour précédent. Du coup, je me défausse d'une carte Gnoll. Revient le tour de l'automa qui prend un troglodyte. Corps, je dois défausser un monstre. Au pire, ça c'est pas un souci. J'en ai pas un qui rapporterait 0 si je prenais la Manticore. Ouais, je suis qui rapporte moins 2, donc ça me va. Je vais aller prendre la Manticore. Pour 0. 5 points de vie, j'ai 6. 2 d'attaque contre 4 de défense. C'est une victoire facile. Je vais me défausser de cette carte qui me diablotin qui me donnait que moins 2. Donc hop, au cimetière. L'automa se défausse aussi. Donc celle du dessus, hein, tout simplement, je vais pas chercher plus loin. Faut faire simple, ce jeu est simple et fluide. C'est ça, c'est son gros avantage. Faut pas chercher à compliquer les choses. Donc je continue avec l'automa. Qui va prendre la lance courte. Ah, le dragon blanc, il arrive. Il arrive. On va avoir besoin des dragons dans tous les cas pour marquer des points, même si là on en a un petit peu. Donc je veux pas prendre le troglodyte parce que je vais sortir ma carte du dessous qui m'intéresse pas. Du moins, pour moi, il ne m'intéresse pas tant qu'il n'y a pas une carte ici qui indique que je peux enterrer une carte. La fourche viendrait me donner 2. Donc on va le faire. Voilà. Vu que l'automa ne se soignera jamais. On monte à 8. Ce qui est très bien pour les futurs dragons. Ici, le blanc a 8 points de vie. C'est pas vrai. Je prends le dragon. Il y a encore un autre qui sort. Bon. Là, on va pas chercher. On va faire l'action de repos ici. On va prendre 2 blessures. On les prend, on les accepte. Là, pour un dragon, on n'a pas le choix. On prend la carte du dessus, qui est donc le dragon blanc. On l'affronte. On a 8, 4. Parfait. C'était prévu. Donc, super. Et au final, bon, on prendra 2 blessures. Mais à partir de maintenant, le dragon blanc nous dit qu'on ne peut plus soigner nos blessures. C'est le revers de la médaille, hein, quand on marque des points. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On défausse celle-là. C'est une action de repos. Et on retourne à l'automa. Hop, il prend le gnoll. Je vais affronter quoi qu'il arrive le dragon d'une manière ou d'une autre. S'il le prend ou le paye, ça changera rien. Le diablotin me rapportera rien. Donc, il ne m'intéresse pas. L'ange va m'amocher, mais je vais marquer quand même quelques points. Donc,
on va aller chercher l'ange. Puisqu'ici, elle me fait perdre des statistiques si je prends cet enchantement. Pour moi, la seule chose qui est plus ou moins le plus rentable, c'est d'aller chercher l'ange. Donc je vais payer un. Je vais le mettre ici. Je ne peux pas soigner mes points de vie à cause du dragon blanc. Par contre, 6-4, 2 blessures à nouveau. 4 points négatifs à la fin. Déjà. Ça va vite, hein, mine de rien, les points négatifs. Il faut vraiment faire un minimum attention à ça. On arrive à l'automa qui va prendre le diablotin. Bon, ben, ça va. C'est pas un problème. Et on arrive à la fin. Hein. On arrive à la fin. On va attaquer. Je peux pas prendre le dragon infernal puisqu'il me coûte 2 jeux que 1. Le diablotin m'intéresse pas. Ici, je pourrais pas me soigner. Je vais donc faire une action de repos. Je défausse l'enchantement, mais je peux pas me soigner à cause du dragon blanc. L'automa, de son côté, va laisser attendre, prend le dragon. Et il me le prend de manière désastreuse, vu qu'il n'y a pas d'action ici pour aller le chercher. Un dragon perdu. Tant pis. Donc, on va essayer de scorer des points faciles tout le long. 4, ouais, mais je prends un dégât. Donc, c'est exactement la même chose que si je prenais le prêtre, la paladine, dans mon cas. Je vais dépenser 1 pour aller chercher le prêtre, qui me fait rien. Ah, encore un dragon. 1, 2, 3, il prend le prêtre. Et je peux pas aller chercher. Ah, quoique. Eh non, il faut que j'augmente ma valeur d'attaque. J'ai que 8. La paladine va me mettre 1. Je vais prendre les 4 points de victoire ici quand même, je vais prendre une blessure. Donc faut que je paye 1 quand même. Et donc vous voyez, il n'y a plus de pioche aventure. L'automa, il va prendre celle-là. C'est la plus proche. Ou il aurait pris le dragon dans ce cas-là. Plus logique, ouais, sinon c'est bon, je ne pense pas m'être trompé. En quel cas, dites-le moi dans les commentaires si je me suis trompé sur... sur ça, ça m'aurait arrangé que ce soit le dragon qui aille là, hein, mais bon. Là, c'est pas possible. Du moins de ce que je vois dans le schéma, avec les règles proposées. Ça n'est pour moi pas possible d'aller. Que ce soit le dragon qui aurait dû être choisi. Je ne peux pas aller attaquer le dragon vu que je n'ai pas suffisamment d'attaque. Il faut qu'il descende encore. Si je vais chercher le Behemoth qui me donne 7 points de victoire, je vais perdre beaucoup trop de statistiques. Payer 1, je peux pas. Maintenant, j'ai besoin de sous. J'ai même besoin de 4 pour aller chercher le dragon. Je vais faire un repos. On reçoit une blessure et on perd 1. Blessure. Donc là, une, deux, trois,
prendrais le dragon du coup. Ouais, je pense qu'il prend le dragon, hein. Y a pas à dire, il prend le dragon là. Là, je prends une blessure. C'est comme s'il me valait 10 points. Je défausse une carte. Elles sont toutes importantes. Là, pour le coup, le dragon n'est pas le plus intéressant pour moi. Je vais chercher le behemoth ici. Je vais 5-5, je peux pas augmenter mon armure, bah, tant pis. Je vais aller chercher le behemoth. J'ai joué et j'ai perdu. Par rapport au dragon, j'en ai eu aucun. Et j'ai eu pas mal de blessures. Il va prendre du coup la paladine quoi qu'il arrive. Voilà, on vient d'arriver au bout de l'aventure de Enchanters. Maintenant, on passe au décompte des points. Donc déjà, sûr et certain, Wanama. Et détruit. Un objectif de rempli. Maintenant, on va compter. Donc 0, 5, 1, tous les 3 monstres. Ah. Donc c'est parti. On va déjà trier monstres et dragons. Bon. Alors, un point tous les 3 monstres. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 3, 6, 9, ça nous fait 3 points. Donc on y va, 5 et 3, 8, et 4, 12, et 10, 22, 25, et 4, 29, et 7, 36, et 11, 36, 37, 47. Ça n'est pas fini. Le 2 gloire me fait marquer 1 point tous les 3 monstres. On marque 3 points. J'étais à 47, 46, 46 je crois. Donc ça fait 49, 50, 51. 51 et 6, 57. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blessures. J'arrive pile poil à 50 points de victoire et j'ai tué Wanama. Donc, c'est une victoire sur cette partie d'Enchanters. Voilà, donc ce sera sur une victoire, certes petite, mais une victoire, que notre découverte d'Enchanters se termine. Je suis cependant d'accord avec vous, ce n'est pas du tout la meilleure manière d'aborder un jeu comme celui-ci, mais il nous permet de mettre un pied dedans, et je trouve ça déjà pas mal. Maintenant, qu'en est-il de l'avenir ? Je vais refaire une partie avec un automa sur lequel je vais apporter des quêtes, bien que ce ne soit pas le plus intéressant aussi. Ça fait quand même partie du jeu, donc on va essayer de le montrer. On gardera certainement les mêmes factions pour montrer un petit peu la différence et la subtilité que ça apporte, pour qu'on sente un peu le sel que ça apporte. On y ajoutera les événements. Et on changera par contre l'Overlord et le village, ça il n'y a pas de souci. Ça sera la deuxième partie que je vous ferai découvrir sur Enchanters. On changera de volet et là on s'attaquera à une version coop qui est là beaucoup plus intéressante et risque d'être un véritable challenge. Et dans l'avenir, je prépare un très gros projet sur Enchanters, donc à voir ce que ça va donner, j'aimerais réussir à aller jusqu'au bout. Je vous en dis pas plus pour le moment, par contre, si vous êtes intéressé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est vous qui allez me donner la motivation, qui allez me donner envie d'aller encore plus loin. Donc, j'attends un petit peu de soutien de votre part aussi. Ce sera tout pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao !